Je vous montre ça. Voilà comment des hommes civilisés, artistes, peintres, musiciens, voilà comment des hommes, par haine, n'oubliez pas, tout ce que vous entendez, c'est la haine qui a conduit Hitler et son peuple à faire ça. Eh bien, voilà ce qu'ont prévu des gens civilisés pour que des femmes fassent leurs besoins. Libéré des camps d'extermination à l'âge de 20 ans en juin 1945, c'est plus de 50 ans plus tard qu'elle commence à témoigner auprès d'un public scolaire de ce qu'elle a vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Ginette Kolinka était présente au collège La Source d'Amnéville lundi 14 janvier. Rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau, Ginette Kolinka est depuis maintenant 20 ans passeuse de mémoire et malheureusement témoin privilégié de cette sombre période de notre histoire qu'elle aborde sans pudeur face au jeune public. De son arrestation par la Gestapo le 13 mars 1944 jusqu'à son retour à Paris au milieu des siens en juin 1945, elle partage des souvenirs longtemps gardés pour elle seule. J'ai même jamais parlé à personne de ma famille, à personne de mes amis, de mon histoire. Encore maintenant, je ne peux pas parler, alors que voyez comment je suis volubile avec les autres. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas aller me faire psychanalyser, je ne veux pas qu'on me plaigne, je ne veux pas... En plus, quand je suis rentrée, moi je suis toute seule à être rentrée de tous ceux de ma famille qui ont été déportés. Je vais raconter à ma mère, à mes sœurs qui ont perdu leur père, leur frère, mon père, mon frère, tout le monde l'a su. Et même je sais que j'ai été très très dure en l'apprenant à ma mère. Mais moi, les sentiments, quand on sort de là, moi les sentiments, j'en avais plus. Et quand je suis arrivée et que ma mère me dit « Demain, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert », alors que j'étais morte de fatigue et de douleur, eh bien, ma mère, je lui ai jeté d'un seul trait, mais non, jamais tu auras des nouvelles de papa et de Gilbert, parce qu'on les a assassinés et on a brûlé leur corps. Voilà comment que j'ai appris à une mère, à une épouse, comment les siens étaient morts. Alors, j'avais plus de sentiments. Mais personne, les autres, malheureusement, les autres, moi non plus, je ne sais pas comment ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts de leur propre mort? Est-ce qu'ils sont morts tués par les capots, par les Blokovas? Je ne le saurai jamais. Et je ne verrai jamais leur corps. J'ai toujours cru, à un moment donné, dans mes rêves, que ceux qui n'étaient pas revenus étaient amnésiques. Et puis, un beau jour, je les revoyais dans mes rêves, dans mes cauchemars. Je les voyais qui étaient là et on se retrouvait. C'est arrivé à un ami. Il était amnésique pendant 7 ans. Il s'est retrouvé dans une fosse comme s'il était mort. Et un des soldats qui surveillait a vu qu'il bougeait. Et il est resté amnésique pendant 7 ans. Maintenant, c'est devenu un sculpteur très connu. C'est lui qui a fait la statue à Drancy. Des anecdotes, Madame Kolinka en a beaucoup partagé avec le public, qu'elle souhaite sensibiliser en espérant que celui-ci puisse à son tour être passeur de mémoire pour que l'histoire ne se répète pas. L'espoir que ça n'existera plus. Parce qu'entre eux, ils sont noirs, ils sont juifs, ils sont musulmans, ils vivent ensemble. Ils voient que le musulman, là en ce moment, il mange pas parce que c'est Ramadan. Ils voient qu'un jour, un juif mange pas parce que c'est quoi, c'est... Je suis pas religieuse. Enfin, c'est le jeûne. Hein. Ils voient que malgré qu'ils n'ont pas la même religion, malgré qu'ils n'ont pas la même façon de vivre, ils ont aussi, eux, les fêtes comme les autres. C'est pas les mêmes jours, c'est pas les mêmes mois, c'est pas de la même façon, mais eux aussi. Et je pense que ces personnes-là seront tolérantes, voilà, selon ce qu'ils vont retrouver à la sortie. Parce que après, c'est les fréquentations, selon les adultes qui fréquentent. Parce que vous savez, moi j'ai pas Internet, et on me dit que sur Internet, il y a tellement de choses affreuses qui se disent, eh bien ces choses affreuses qui se disent, il y a des millions de personnes qui les écoutent, et dans ces millions de personnes qui les écoutent, il y en a qui
prennent ça pour de l'argent comptant. Et j'ai vu avec les gilets jaunes comment une foule peut devenir... ça fait peur. Moi, j'ai peur. Pas pour moi, maintenant, je suis vieille. Mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Et oui, ça fait peur. Et pourquoi ? Pourquoi le peuple juif est toujours comme ça, poursuivi, agressé ? Alors, j'ai posé cette question à un petit jeune homme une fois. Il a levé la main et j'ai dit, ben, toi, tu le sais, tu me dis, parce que vous êtes tous riches. Et voilà d'où vient une haine. On est tous riches. Est-ce qu'un peuple peut être tous riches? C'est des questions comme ça qui font qu'il y a de l'intolérance. C'est ça. Bêtement, on écoute ce que les gens disent, on répète, et voilà. Moi, j'ai dit à ce petit jeune homme qui me disait ça, viens avec moi dans les bureaux de secours, tu verras si les juifs sont tous riches. Il y en a qui sont riches, comme il y a des chrétiens qui sont juifs, comme il y a des musulmans qui sont riches, et puis il y en a des moins riches, et puis il y en a des pauvres, et il y en a des crétins, et il y en a des intelligents, voilà. On est des êtres humains avec des qualités et des défauts, personne n'est parfait, sauf moi. En fin de séance, Ginette Colaca a répondu aux questions posées par les élèves de 3e avant de rejoindre le collège de Mézières-les-Metz dans l'après-midi pour s'envoler ensuite vers la Pologne afin de poursuivre sa mission que personne n'oublie.